Bon, imbéciles sont un petit peu. Et on va faire ce qu'on est censé faire ce soir. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. Alors on est là pour un petit épisode, un épisode certainement qui va durer une petite heure, en live, sur ma chaîne Twitch. Bien le bonjour à ceux qui sont là, et bien le bonjour à ceux qui sont sur YouTube qui regardent la rediffusion. Donc c'est le deuxième épisode de Random Games. À la simple différence que la dernière fois on a fait une partie sur les cochons de guerre, donc sur un jeu que je connais. Là cette fois-ci on va faire une petite partie tranquillou sur un jeu que je ne connais pas. Donc on va faire une petite découverte. Une découverte d'un jeu qui peut-être que certaines personnes connaissent à mon avis. Enfin, avec Internet, hein, maintenant, parce que je crois que c'est un jeu qui n'est pas sorti en Europe, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais enfin bon, on va bien voir. On regarde Rome Station. Et parce que je ne possède pas le jeu. On va voir Rome Station. Hop là, on lance. Est-ce que tu vas bien vouloir fonctionner, mon grand? M'enlève cette petite image. Hop là, donc on est sur un jeu PS1 ce soir. Ce soir, c'est la PlayStation 1 qui est encore une fois la prioritaire, entre guillemets, sur le live. Mais enfin bon, allons-y gaiement. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je vous préviens, je risque d'être un peu moins loquace que d'habitude. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une découverte. Donc, je vais quand même essayer d'apprécier un petit peu. Essayer d'apprécier un petit peu le jeu, quoi. Surtout la cinématique de début. Hein. Cinématique de début qui est excellente. Alors je vais vous laisser avec. Je vous dis bonne écoute. Eh ben c'est du haut niveau, hein. C'est vraiment du haut niveau cette introduction. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, ce soir on va s'attarder sur Legend of Mana, qui est un jeu que personnellement je n'ai, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais joué, mais dont j'ai entendu parler et dont j'ai vu la review pour ceux qui regardaient le Hooper du temps qui faisait ses vidéos tests. Il avait fait une vidéo test de The Legend of Mana, qui était en soi Legend of Mana qui peut être traduit par Seiken Densetsu 4.
D'accord? Donc c'est pas vraiment un Seiken pur jus, de ce que j'ai compris. C'est vraiment un Seiken vraiment très différent. Donc on va bien voir, à bien voir ce qu'il en est. Donc nouvelle partie. Choisissez votre perso. Alors, l'homme ou la fille? Comment ça se passe? Ah, on va prendre lui, hein, tant qu'à faire. Choisissez votre arme. Poignard, épée, hache, épée à deux mains, hache à deux mains, masse, lance. Il y en a d'autres? Ouh là là! Putain. Bâton, gant, nunchaku, arc. Eh bah putain. Et tout ça pour un seul personnage. Ah déjà, ça a l'air beaucoup plus poussé que Secret of Mana. Hein. Secret of Mana, qui, je vous le rappelle, n'avait que 5 ou 6 types d'armes, je crois. Je crois qu'il y en avait 2. 2 par personnage. Donc il me semble qu'il y en avait 6. Hein. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'épée, tiens, voilà. À prendre l'épée, j'ai envie de dire, c'est classique, je sais, mais bon. D'autre côté, You. Ah, tu me demandes mon nom, c'est ça? Ah, merde. Ah, comment ça, You? Enlève-moi le. Voilà, enlève-moi ça. Ah, ça plaît Zelos, hein, écoute. Avec les petites. Hop là, les petites indications, les petites lettres. Merde. Les musiques ont l'air magnifiques, hein, putain. Ah, je suis en train d'écouter celle du menu là. Ça a l'air assez violent. Alors, Legend of Mana, oui. C'est un écran de chargement, ça? Je sais pas. Ah non, sélectionner la zone de jeu. Alors, les zones ombrées ne peuvent être choisies. Oui, je suppose. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pas du tout. Écoutez, j'ai envie d'avoir pas mal de flotte autour. Ce mot, ça a toujours été un truc que j'adore, moi. La flotte. Même dans les Age of Empire. Hein, il me faut de la flotte à côté, sinon je ne joue pas. Bah écoute, on va choisir ça. C'est bon, ça ira. Alors. Montre-moi ces choses-là. Boîte aux lettres. Bonjour. Placez la boîte aux lettres sur la carte. Choisissez un emplacement à l'aide de la croix directionnelle. Appuyez sur croix. Vous pouvez placer la boîte aux lettres sur les zones éclairées. Ouais. Oui, je suppose. Ah, les zones, d'accord. Bah écoute, on va la placer là. Voilà. Ah, j'ai fait apparaître ma maison, c'est ça? Ah ouais, non, mais c'est ça en plus. C'est ça. Et le jeu apparemment m'y emmène directement, hein. Bon, excusez-moi, je pose, je monte le son pour vous, parce qu'à mon avis, on est encore en face d'un thème excellent. Bonne écoute. Yeah.
Eh ben ma foi. C'était joli, mais peut-être un peu long, hein, pour une intro. Il y a 9 siècles, l'arbre mana fut réduit en cendres. Le pouvoir de mana survécut à travers les pierres mana, les instruments enchantés et les reliques. Des sages s'affrontèrent pour s'emparer des derniers vestiges de mana. Eh ben dis donc. Ça, ouais, ça, juste un truc que je voudrais dire avant de continuer. L'introduction était vraiment très bonne. C'était sympa. La musique, je trouve qu'elle part peut-être un petit peu trop dans le pop japonais un peu bizarre. Mais en soi, la mélodie était vraiment bonne. Mais elle était longue, hein. Putain, elle était longue, hein, cette intro, hein. Une introduction à l'histoire. Enfin bon. Donc, passons. Ainsi, après des siècles de guerre, alors que le pouvoir mana commençait à se dissiper, ceux qui le recherchaient se firent rares et le monde retrouva la paix. Ça fait plaisir, ça. Et évidemment, voilà. L'humanité fut effrayée du désir. Leurs cœurs se remplirent d'émotions vides et s'éloignèrent de moi. Ils détournèrent les yeux de mon pouvoir infini et furent troublés par d'insignifiantes disputes. Non, c'est très bizarre dit comme ça. Souvenez-vous de moi. Donc là, c'est quoi? C'est l'arbre mana qui nous parle? Est-ce que c'est l'arbre mana qui nous parle? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est très joli encore une fois, hein. Faudrait que je regarde qui est le compositeur, même si je crois que c'est une compositrice. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bien le bonjour, tel Link dans Ocarina of Time, on se lève de notre lit. Parce que voilà, parce que putain c'est magnifique. Oh la vache. Oh la vache, putain, et c'est très beau. Bonjour. Oui, je voudrais lui parler, s'il te plaît. Tombe qui veut fuck. Bon, tant pis. C'est vraiment joli, la musique encore une fois est magnifique. Ça, c'est digne des Seiken, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Les Seiken Densetsu, les OST, laisse tomber, quoi. C'est des purs chefs-d'œuvre. Le grand Square Enix de l'époque. Oh la vache! Ça, c'est garni de détails. C'est blindé de détails, tout ça. Oh, un coffre! À moi. Vous gagnez 100 lucres. D'accord. La monnaie du jeu, je suppose. La compositrice de ce jeu n'est autre que Yoko Shimomura. C'est celle qui a participé à Chrono Cross. Juste pour par curiosité. Parce que ça y ressemble beaucoup, hein. Puis ça m'étonnerait pas, vu que c'est Square Enix. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait appel à la même compositrice. Rentrer là-dedans, bonjour! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une bibliothèque peut-être, non? Personnages, terre, reliques, monstres, techniques, etc. etc. D'accord, donc ça c'est le gros tutoriel, mais le tutoriel écrit. J'aimerais bien qu'il y ait un tutoriel pratique, moi, pour le coup. Donc, bonjour, même si à mon avis, je vais être obligé de le lire, quoi. À mon avis, je vais être obligé de le lire pour continuer à jouer normalement. Putain, et c'est magnifique, c'est tellement blindé de détails, ça en devient bluffant. Ouais. Bon, je veux voir dehors. Je veux voir dehors, sortons de la maison. Alors, prenons deux. Ah, effectivement. Oh, putain, le rendu de l'herbe en 2D comme ça, c'est juste magnifique. Magnifique et bluffant. Bonjour monsieur, est-ce que tu vas me parler, toi? Un Germignon, c'est un Pokémon, ça? Si, c'est un Pokémon, Germignon. Le monde peut être façonné par ta propre imagination. Oui. Le savais-tu? Bah, non, je ne le savais pas. Je viens d'allumer le jeu, mon cher ami. Pokel, le poète m'a raconté que la ville de Domina existe parce que je le crois. Oh la vache, ça a l'air d'être vachement perché, hein. Oui, c'est Mitsuda qui a participé à Chrono Cross, mais je sais que Chrono Cross a été faite aussi avec l'aide d'une compositrice. Donc je pense qu'à mon avis, c'est cette madame Yoko Shimomura. Mais enfin bon.
évidemment, les Seiken, là, à mon avis, c'est parti pour être un scénario comme, comme à leur habitude. Ultra féerique, vraiment un conte de fées, à mon avis, ça va être ça. Hop là, Germignon le savent. Si tu n'arrives pas à trouver Domina, sers-toi de ton imagination pour la trouver. Tilis. Vous récupérez la REL. REL, ça doit être relique. Rubicube. Je connais ça. Il est pourri ce jeu. C'est la ville de Domina. What the fuck? Oulala, ça paraît bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Atelier. Voyez ici devant l'atelier. Oui, pourquoi pas. C'est quoi ce panneau là? On peut lire Non, on peut pas le lire. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça doit être l'atelier, voilà. Entrée des ateliers, bonjour. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. La musique est pas trop forte par rapport à ma voix, d'ailleurs. Ce sera à vous de me le dire, quand même, parce que... Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ranch des monstres. D'accord, ça, c'est ce que j'avais vu dans la vidéo du Hooper. On va pouvoir capturer des monstres pour pouvoir en faire des familiers. Ça, apparemment, c'est... Ça existe déjà dans pas mal de RPG, hein, le système de familier. Je crois que ça existait déjà dans Dragon Quest 6. Entre là-dedans. Putain, les musiques, mon dieu. Les musiques ont l'air fantastiques. On pousse toi, mon petit Germignon. Allez sur la carte du monde. Bah écoute, banco, allons-y. Allons-y, montre-moi cette carte du monde. Alors, appuyez sur carré pour choisir une relique. Oui. Donc, Rubicube. Voilà, et je suppose qu'il va falloir que je la choisisse. Ah d'accord, je peux le mettre uniquement à 4 endroits. Je peux pas la mettre à côté. Oh, pourquoi pas. Bah écoute, on va la mettre là. Donc, Rubicube. Donc lui, il m'a dit que c'était Domina, je crois, le nom de la ville. Ah, c'est ça, Domina. D'accord. Alors, je suis en train de remarquer qu'il y a tous les... il y a tous les esprits. Il y a tous les esprits de Seiken qui sont en bas. T'as Ondine, Gnome, Efrit. Et les autres, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y en a un, c'est Luma, je crois. Shadow, certainement, le mec des ténèbres. Que j'ai jamais réussi à tous me les rappeler. À part Ondine, hein, parce que je veux dire, Ondine, Gnome et Ifrit, c'est les trois noms certainement les plus utilisés dans les RPG japonais. Je veux dire, t'as ça dans quasiment tous les RPG qui font entrer des espèces d'esprits de élémentaires. T'as toujours Ifrit, Ondine, Gnome dedans. Voilà. Tu peux avoir Celsius, Sylphis, enfin ce genre de choses. Enfin, c'est gnie. C'est peut-être dans une mythologie, on va savoir. Peut-être que c'est des trucs qui ont un petit rapport avec la réalité. Donc j'aimerais bien aller à Domina. Voilà. Va aller à Domina pour voir un petit peu ce que c'est. Lumi, Shadow, Dryad, Luna. Ah, c'est pas Luma, c'est Luna. D'accord. Atanor. Ah mais Atanor, c'est Ifrit. Il me semble, hein. Domina. Putain, on est sur la map d'une map. C'est quand même bizarre. Bonjour, Dio24. Hey! Putain, je viens d'arriver. Déjà, on m'agresse. J'ai rien fait. Dis-moi au moins ton nom. Mon nom est personne. Et l'Azul. D'accord. Bien le bonjour. Es-tu un homme ou une femme? Ça, c'est un gros problème des Seiken, ça. Tu n'arrives pas à discerner les genres. C'est juste impossible. Et Elazul, excuse-moi, mais ça, c'est un nom. Tu peux pas mettre un sexe dessus. Il me rend malade. Ah, il. D'accord. C'est un mec. Bonjour, tête de citrouille. Je suis Duel, guerrier oignon. Ah, pardon. Excuse-moi. Je croyais que... Legend of 9 Mana, tu es sur Super NES? Non, on est sur PlayStation. Sur Super NES, tu as eu...
Tu as eu Secret of Mana, tu as eu Seiken Densetsu 3, après tu as eu Legend of Mana sur PlayStation, et un autre, comment il s'appelle ce l'opus sur PS2? Children, peut-être, Children of Mana, je ne sais plus. Peut-être que je confonds avec Children of Bottom, ce qui n'a aucun sens. Mais enfin bon. Guerrier Oignon, mon ami Samovar est dans la maison du propriétaire de la boutique. Viens me voir si tu veux parler. Oui, monsieur. Mais visitons quand même la petite ville. Putain, ça c'est magnifique. C'est spécial, mais je trouve ça joli. Bon, les Lazules. Mais non, je voulais pas changer d'écran. Retourne ici. Je veux voir les Lazules. Espèce de Sephiroth 0.5. Bonjour. Dawn of Mana, voilà, c'est ça. Silence, ne m'interromps pas. Je t'emmerde, putain, c'est. Parle. Ne m'exaspère pas. Dis donc, tu vas te calmer, petit trou du cul. Tu te prends pour qui, là? Qu'est-ce que c'est que ces personnes, là? Lui réponds pas, là. Sinon, moi, je lui pète la gueule. Tout ça, mais tu l'arrêtes. Laisse-nous tranquille, non? Non, non, je les laisse pas tranquilles, y a pas moyen. Je pourrais pas t'en aller, mais non, putain. J'en ai rien à foutre. Je te crois pas, mais j'ai rien à foutre. Que c'est que ça, les mecs, ça m'a essayé de. Sacrebleu! OMG la traduction! Sacrebleu! Ça, c'est un nom perdu, ça. C'est un mot qui est perdu. J'ai perdu mon temps, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, putain. Je supporte pas les gens comme ça. Bonjour, petite. J'espère que ça va. Enchanté, je m'appelle Zelos. Apparemment, tu t'en fous complètement, t'as pas envie de me parler, mais enfin bon. Au moins, j'ai essayé d'arrêter l'autre trou de balle. Oh la vache, putain, mais c'est. On dirait une BD. C'est impressionnant, on a l'impression d'être devant une BD. Ça fourmille de détails, c'est juste très beau. Un germignon! Et tête de chou! Tu sais, nous n'avons pas d'âme. Ah bon? Toi aussi t'es roux? Excusez-moi, fallait que je le sorte. Bon, si tu le dis, bah écoute, si t'as pas d'âme, retourne en enfer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Un chocobo! Bienvenue chez moi. Miss Yuka, l'aubergiste. C'est pas vrai, t'es un chocobo. Enfin, t'es un gros chocobo plutôt. Ah putain, le vendeur. Ah, il a la même tronche que dans les anciens. Bonjour, Nidox. Et ce n'est pas Secret of Mana, c'est Legend of Mana sur PlayStation. Sauvegarder. Ah d'accord, c'est. D'accord. Ah, on peut jouer à deux, hein, c'est cool ça. Mais je suis tout seul. Bah écoute, sauvegarder, même si j'ai pas fait grand chose. Ah, nouvelle sauvegarde, hop là, merci. J'adore la musique en tout cas. Bonjour, mon petit, je sais pas ce que t'es, toi. C'est mon petit piou-piou. Plutôt fragile, alors laissez-le tranquille. Putain, mais je comptais pas lui péter la gueule, hein, ton piou-piou. Mon piou-piou. Bonjour, madame. Alors, excusez-moi, c'est pas très palpitant, je sais, mais bon, c'est du Seiken, hein, donc. Je vends les minéraux que j'ai trouvés en creusant ici. Tiens, non, mais qu'est-ce que t'as. Je suis pauvre. Donc voilà, donc t'auras que dalle. Alors, bronze Ménos, qu'est-ce que c'est que ça? Matière première. Ça aussi, du bois, matière première. Oh là là, ça, à mon avis, c'est pour tout le système de craft. Parce que je sais qu'il y a un énorme système de craft assez impressionnant dans ce jeu. Oh la vache, pierre terre. Oh là 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 là. Bah écoute, tu m'excuses, ma petite, mais je n'ai point le sou. Voilà. Je n'ai point de sou, j'ai laissé mon porte-monnaie à la maison. Ou un coffre, faut piller. Bonjour. La viande d'oiseau. Lol, on a récupéré la viande du piou-piou. La viande du piou-piou. Bon bah écoute, on va sortir. Hein. Apparemment ça sert uniquement pour sauvegarder.
D'accord, ça c'est fait. On va voir ce que c'est en bas. Bonjour. Chevalier de Gemma. Alors, qu'aurais-tu à m'offrir? Couteau, d'accord, moi, des haches, épée à deux mains et tout ça. Ah, je trouve ça bizarre parce que... On me propose, d'après ce que je comprends là, on me propose d'acheter apparemment des armes. Ça sert à quoi? Étant donné que moi j'ai décidé de choisir une arme au début du jeu qui était l'épée. Donc pourquoi tu me proposes d'autres armes? En premier lieu, je veux dire, hein, enfin, apparemment je peux utiliser une hache, je peux utiliser une épée à deux mains, enfin... Bon, bah écoute, à prendre l'épée, hein. Vous êtes sûr? Bah oui, oui, faut que je me défende. Tu en es où dans le jeu? C'est une découverte, Dio. Je suis vraiment au tout début du jeu. Putain, mais regardez-moi ce détail de malade mental. T'imagines le nombre d'heures déjà qu'il faut juste pour faire ce plan-là à la main. T'imagines le travail de malade mental. Truc de fou. As-tu commencé Chrono Cross en parallèle? Non, parce que Chrono Cross, si jamais c'est comme Chrono Trigger, il faut que je le fasse tout seul, histoire que je ne sois pas vraiment paumé. Il me semble que tu en avais déjà une. Ah, je ne pense pas, parce que... Enfin, ou alors, au pire, même si j'en avais une, c'est pas trop grave, au pire. Équipement. Eh bien. Équipement, j'ai dit. Alors, j'ai une Menos Sword, armure Menos Aubert. Ah non, ça c'est celle que j'ai achetée. Non? Ouais, équipée. Hein? Je ne sais plus, putain, je ne comprends plus. Le menu a l'air vraiment bizarre. Alors, épée Menos. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Alors ça va falloir qu'on regarde ça peut-être un petit peu plus tard. Il y a une porte ici. Je veux rentrer chez les gens par effraction, comme dans tout bon RPG qui se respecte. Bonjour, tête d'oignon. Tu devais acheter des gants de bronze au magasin. C'est moi qui les fais. N'oublie pas de les équiper. Oui, monsieur. Merci, Captain Obvious. Enfin bon, bonjour toi. Qu'est-ce que t'es, toi? J'en ai peut-être pas l'air, mais je collectionne les pierres. D'accord. Bonjour, monsieur. Je pensais qu'en trouvant un boulot à Rachel, ça l'aiderait à retrouver le moral, mais à présent, j'ai peine à croire que je ne la reverrai plus. Rachel, c'est la petite... C'est la petite fille que j'ai défendue tout à l'heure. Laisse-moi te donner ce livre à propos des armes, des armures et des instruments. Jette un œil dessus dans ton bureau et viens faire un tour dans notre boutique. Voilà, c'est... Putain. À visiter, parce qu'on sait jamais s'il y a un coffre au-dessus. Bonjour. Chambre de Rachel. Oh! Elle n'a pas mis ses économies dans un coffre. Elle n'a pas mis ses économies dans un coffre que je pourrais piller. Bonjour. Ah d'accord, ça c'était une porte ici. Bonjour madame. Oh non, c'est bon. Besoin de rien, merci. Tu as racheté la même épée. Ah non, c'est pas le même. C'était pas le... Elle s'appelait pas de la même façon. Enfin, je trouve ça bizarre. Quel est cet endroit? Là, j'ai appuyé sur carré, je n'aurais pas dû. Bon, quelle est cette maison? Là, apparemment, c'est fermé. Bah, voilà quelqu'un qui a trouvé le moyen pour empêcher tous les joueurs de dérober leur bien. Tu fermes à clé. Voilà, ni plus ni moins. Je revois ta review de Red Dead Redemption, c'est un jeu que j'ai grandement envie de refaire. Bah écoute, j'espère que t'es motivé parce qu'elle fait 2 heures, hein, je te rappelle. Celle de Red Dead, c'est vrai qu'elle a été costaud. Hein. Alors, quel est cet endroit? Bonjour! Tête de chou, Germignon! Tout être avec une âme finit toujours par disparaître. Nous n'avons pas d'âme, alors nous restons toujours là. Ouais, ça... Chiant. Enfin, je sais pas vous, mais moi, l'immortalité... J'ai toujours trouvé ça plus comme un fardeau que comme un véritable avantage. M'appelle Nicolo, je suis un marchand ambulant. Le marchand ambulant, mais évidemment. Le chemin est plein de bandits. C'est trop dangereux de quitter la ville, tu ne crois pas?
Non, perso, je m'en fous, comme c'est courageux de ta part. Mais attends, je peux pas faire d'affaires à cause de tous ces vauriens sur la grande route. Allons donner une leçon à ces bandits. Une fois que nous en aurons fini, je te rendrai riche. Oh, y a voleur, colonel. J'aime les gens qui connaissent la valeur de l'argent. Les combines de Nicolo. C'est quoi, c'est une quête annexe qui vient de s'enclencher? Apparemment. Il faut encore que je m'arrête voir Samovar. Viens avec moi. Oui. Oui, c'est qui Samovar? Je ne sais pas. La tête de chou! Je suis toujours remuant, j'en ai rien à foutre. Je déteste les germignons. Eh, le lapin, tu vas te calmer, c'est une tête de chou, mais tu vas te calmer, il n'est pas à manger. Comme par hasard, cette personne déteste quelqu'un qui n'a pas d'âme. Hein. Raciste, va! Bonjour madame, qui êtes-vous? Veux-tu que je te dise la bonne aventure? Non. Voilà. Tu as une tête de grappe de raisin, je n'ai pas du tout envie que tu me lises la bonne aventure, ça risque d'être awkward. Ça se réalisera probablement pas, mais bon. En plus, tu montres comme quoi tu es une imposteur. Magnifique. Entrée en transe, allez, c'est bon, fous-moi la paix. Par contre, le lapin a dit qu'il voulait voir quelqu'un, mais qui? Samora, c'est qui Samora? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Par ici. Mais j'aime pas ta gueule, toi. Prends-moi avec toi. Non. J'aime pas ce mec. J'aime pas ce mec. Le prendre, refuser. Crive, nous me disions que j'ai pas aimé comment t'as parlé à la dame tout à l'heure. Hein. Franchement... C'était pas très bien, c'était pas très poli, hein. Mais d'un autre côté, voilà, peut-être qu'il pourrait m'aider. Vas-y, viens ici, espèce d'enfoiré. Dis à ton partenaire de foutre le camp. What? Ah, va te faire enculer, allez, c'est bon, c'est là. Fous le camp, allez, barre-toi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que cette personne, là? Franchement, putain. S'il y avait une touche pour te vomir dessus, je le ferais avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ces gens là? Ici le lapin. Putain. Le lapin. Putain, mais la skin. La skin elle est énorme. Le lapin comme ça avec le sombrero derrière. Putain. Magnifique. Magnifique. Est-ce que c'est la petite fille qu'il doit voir chez Amanda et Barrett? Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Est-ce que c'est par là? Il a dit comment, chevalier de Gemma? Non, c'est Gemma, c'est pas là. Samora, il a dit. Mais c'est qui, ça, Samora? Est-ce que j'ai un moyen de voir les quêtes, s'il te plaît? Une liste d'événements complexes. Les affaires de Nick. C'est ça. Débarrasser la grande route des bandits. Oui. Oui, mais il devait voir quelqu'un, non? Moi, je veux bien, mais si... J'ai pas envie de faire la quête à moitié, quoi. La grande route, la grande route. Ça doit être par en haut. Tu as suivi un peu la Paris Games Week? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un salon qui ne m'intéresse pas des masses, donc... Non. Ah merde, putain, je suis retourné dans la ville. Quel est cet endroit? Église Saint-Mana. Saint-Mana, ils sont pas fait chier. Inspecteur Boyd en service. Un grou-grou, je m'appelle Colombo. J'ai entendu dire que des bandits se manifestaient dans les parages. Si vous apercevez quelqu'un de suspect, n'hésitez pas à m'en informer. Oui monsieur, votre numéro c'est le 17, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, va. Oui, mais tu vas te pousser par contre, voilà, tu me bloques le chemin. Envie d'un remix métalleux de Karoul dans un futur DK6? Ah, déjà qu'ils sortent. Et à mon avis, c'est mal barré. C'est mal barré pour qu'ils sortent. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un phénix? Bonjour. La déesse dit... Spooky, scary skeleton. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette créature?
L'énergie mana. Oui, bon, t'en as rien à foutre de ma gueule. C'est gentil, je pensais que l'église était ouverte aux gens, mais... rien à foutre. Oh! C'était gratuit. C'était gratuit, j'ai fait un petit coup d'orgue, et ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et il n'empêche que je ne sais toujours pas où aller. Je ne sais toujours pas où aller. Où est cette Samara? On peut passer par là. On peut passer par ici, on va essayer de sortir de la ville. C'est long, c'est un début qui est plutôt long. J'aimerais bien voir ne serait-ce que le système de combat, s'il vous plaît, parce que... Parc de l'Ange Mana. D'accord. Oh, un petit singe. Bonjour, mon petit. Observe un peu ça. Je suis Capella, un jongleur vagabond. Observe un peu mes tours. Quel talent. Demande-moi simplement s'il y a besoin de... S'il y a quoi que ce soit dont tu as besoin, d'accord? Boston Elysian Tales, mais j'y ai déjà joué, Dio. Je l'ai déjà terminé, Dust. C'était à l'époque où j'avais la PlayStation 4. Je suis juste un vagabond. Les vagabonds n'ont besoin de rien. Bon, les mecs sont en train de parler. J'ai ici une super paire de chaussures. Oh putain. Bon, vous avez fini de parler là. Les talents de vendeur n'ont pas fonctionné sur ce singe. Putain, c'est magnifique hein. C'est vraiment très très joli. Allez voir dans la zone à côté là. Eh, Poichijon! Bonjour! Voici la plus mignonne des factrices! Attention les gars, bang! Bang quoi? Quoi bang? Pourquoi bang? Donnez-moi une explication! Il y a beaucoup de portes qui sont fermées, hein, décidément. Et quiquin? Non? Personne? On peut rentrer nulle part. Ça paraît bizarre, hein. Voilà. S'il y a un endroit vide. Eh ben mesdames et messieurs, je suis paumé. Mesdames et messieurs, je suis paumé. Bon bah on va essayer de trouver la grande route. La grande route qui nous disait l'autre là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu as testé la démo de Project Zero Wii U? Non, parce que je déteste tout ce qui est horreur de ce genre. C'est un style de jeu que je hais particulièrement. Je n'aime pas avoir peur dans les jeux vidéo. Donc non, je ne l'ai pas testé, je ne la testerai pas. J'ai vu certains retours dans ce Project Zero. Apparemment, il serait plutôt mauvais. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il en est réellement, mais le jeu serait plutôt mauvais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut sortir de la map? Ou alors la quête ne se déclenche pas tant que je n'ai pas vu une certaine personne? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va parler à l'autre là. J'ai que ça à faire. Bonjour, tête de raisin. Vas-y, lis-moi la bonne aventure. 10 lucres! Sale vénale. Putain. Même pas 10 lucres. Bah non, j'ai rien. Oh merde. Resident... Mais les Resident Evil, je les ai tous faits. Hein. Resident Evil, ça c'est... Ça c'est tranquille. Hein. C'est haut la main, j'ai envie de te dire. C'est pas vraiment de l'horreur. Le premier me faisait grandement stresser, le 2 également.
Le 3, j'en avais rien à foutre. Le 4 ne fait pas vraiment peur, en plus. Et le 5 et le 6, c'est nanar. 5 et 6, c'est nanar. Et ne parlons même pas des révélations... des Resident Evil Révélation 1 et Révélation 2, qui sont à des niveaux... C'est quand même un niveau au-dessus, hein. Niveau médiocrité, quand même pas mal. On va vendre un truc, hein. Bonjour, madame. Je voudrais vendre l'épée que vous m'avez... Hop là. L'épée que j'ai achetée, je voudrais la vendre. Et d'ailleurs, ça me fait... Ça me fait penser, je sais pas si jamais vous connaissez... comment il s'appelle ? MJ, mais je ne sais plus. Un youtubeur qui parle de cinéma sur Voxmaker. Il nous parlait de Tipeee. Il nous parlait de Tipeee, de la... enfin de Pity plutôt, voilà, ouais. De la démo, vous savez, la démo que Konami a supprimée. Et franchement, son avis là-dessus, c'était du kikoulol. Bonjour. Veuillez pardonner mon manque d'attention. Le révérend Nouvelle. Qu'aimeriez-vous savoir à propos de cette ville, tiens? Une petite ville bien cabriable. C'est gentil. Ce lieu est voué à la déesse Mana. À Martel? C'est dédié à Martel? Ainsi qu'à ceux qui ont combattu pour elle. Ah, donc aux Desaiens, voilà. Donc c'est l'église de Martel, voilà. L'église de Martel où on y vénère les Desaiens. Pour ceux qui ont connu Tessa Symphonia. Il existe d'autres croyances, mais elles ne détiennent pas la vérité, d'accord. Le gros problème des discours religieux, hein. Voilà. Aucune autre croyance? Je sais que les grottes de Gâteau ont un temple où étudient de nombreuses religieuses. Il y a une secte appelée les Creuseurs qui enseigne des inepties. Carrément. C'est comme si je te disais, bah écoute, t'as les juifs, eux, c'est de la merde. T'as les musulmans, bon, ils sont tellement dans le faux que ça en devient navrant. Mais par contre, nous, on est chrétiens, nous, on est bien, tu vois. Nous, on est... Vous devez les ignorer, carrément, oh putain. Mécréant ! Mécréant ! Tu vas faire qu'un seul jeu ou tu vas changer. Là, on est dans un épisode de... On est dans un épisode de Random Games d'IO, donc pour l'instant, je reste sur celui-là. Après, soit on continuera, soit j'arrêterai. Je ne sais pas. On verra bien. Ou alors, on changera de jeu. On verra. Ça dépendra de vous aussi, ce que vous avez envie. Et là, je suis en train de m'énerver parce que je tourne en rond. Je ne sais pas quoi faire. La grappe de raisin veut me racketter. Oui, oui, allez, c'est bon. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est pas ça? Ah, mais c'est vraiment une grappe de raisin, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette traduction? Oui, c'est bon. Le poisson devrait te permettre d'accéder à tes rêves de passion. J'ai rien bité. Non, mais je comprends plus rien. Bien le bonjour, Yamcha. Bien le bonjour, bien le bonjour. La souris déchargement. Je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de petit lapin là. On va foutre le camp. On va essayer de sortir, voilà, aller sur la carte du monde, oui. Parce que là j'ai tout visité mais y a rien. Ça va pas me dire que je suis bloqué dès le départ. La grande route. Essayer de retourner à la maison. Là. On va voir ce qu'il y a, je ne sais pas, mais après. C'est vrai que là, je suis un petit peu paumé.
Aitopi, toi tu l'as fait ce Legend of Mana? J'ai fait une mauvaise manip ou comment ça se passe? Verger dans l'arrière-cour. Y'a rien ici. Y'a rien de chez rien. Est-ce que l'autre il va me parler au fait? J'ai affaire. À plus tard. Oh, c'est ça, bah casse-toi. C'est qui l'autre là-haut là? Eh ben, quand même. C'est qui ça? C'est un squatter, il squatte ma chambre là. Oh. Qu'est-ce qu'il fout là? J'espère qu'il paye son loyer. Hein. Parce que j'ai besoin de sous. Sinon, je vais me faire encore racketter par l'autre là. Qui est Samara? Bordel de queue. Là, je suis en train de tourner en rond, c'est pas top là. Je veux bien comprendre qu'un action RPG ça peut mettre un peu de temps, mais au bout d'un moment, merde. Qui est cette personne qui m'a demandé de visiter? C'est toi? C'est toi? Oh! Y'a quoi là-haut? Rien. Bon bah écoute, tu sais quoi, on va essayer de parler. Voilà. On va faire la bonne vieille méthode de l'époque, hein. Tu vois, quand t'étais bloqué, que tu savais pas quoi faire, que t'avais pas envie d'aller sur internet, ou même que t'avais pas internet pour mon cas, eh bah tu vas rechoper l'espèce de saloperie de lapin. Et le touffu là. Voilà. Viens avec moi. Voilà, merci. Donc maintenant, toi, tu voulais voir quelqu'un, on va parler aux gens. On va parler à tout le monde. Donc là, pousse-toi, tête de chou-fleur. On va essayer de parler à la petite fille, là. Bonjour. Don't give a fuck, ça c'est fait. Suivante. Il aime pas les machins, donc je suppose qu'il faut pas parler. Faut pas leur parler. Il y a des gens ici, la tête d'oignon, là. Bonjour. Acheter des trucs de bronze au magasin, gna gna, tu me dis rien de plus, ok, merci. Je la reverrai plus. Apparemment, la tête de lapin, ça n'en a rien à foutre. Ah! J'ai un superbe objet, mais je ne peux le céder comme ça. Oh, c'est de la camelote, la ferme oignon. C'est une roue que j'ai ramassée sur le chemin. D'accord. C'est juste une vieille roue. Bah oui. Mais qu'est-ce? Ça n'a pas de sens. Leur discussion n'a pas de sens. Le mec il prend la roue. D'accord. Quoi de neuf docteur? Ça fera 50 000 lucres. J'ai passé mon diplôme de marchand chez Picsou. Il était balèze, hein, franchement. T'as chouïa trop attaché à ta marchandise. Oh la vache. Donne-moi. Putain, le mec il essaye de marchander, l'autre il... Ça fera quand même 50 000 lucres. Je laisserai Zelos l'utiliser. What? La relique roue. C'est la pure crapule qui existe au monde. D'accord. Je reviendrai. Mais OMG! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment on a avancé. Oh va Dieu. Bon bah du coup on a une relique en plus. Bah attends, je vais l'utiliser moi. Ouais, allez. Direction la carte du monde et on va utiliser cette relique. Alors, roue. On peut la placer à ces endroits. Foutre là-bas, tiens. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben dis donc, chemin de Luon. Tiens donc. C'est peut-être ça le grand chemin qui disait, tiens. Bah, allons-y. Alors, il y a un truc qui va se passer, qui va se dérouler. Monsieur le Lapin. Vous allez m'expliquer ? Il y a quelque chose là. Bonjour, tête d'oignon. C'est toi l'étranger que j'ai rencontré à Domina. Ton nom c'est... Baka. 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 Mais je t'emmerde ! Baka, ça veut pas dire... Ça veut pas dire espèce d'imbécile en japonais ? Baka. T'as vu ta gueule, sale oignon de mes deux ? En te voyant, je pleure. Pardon, c'était pas drôle, je sais, mais... Ouais, fuck it, allez, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Baka, voilà. Mon papa m'a beaucoup parlé de toi quand j'étais petit. Ah bon ? Quand t'étais une petite pousse ? Je pensais qu'il se vantait. Demande-moi ce que tu veux. Ton argent ! Quelque chose d'utile. What ? Je sais pas de quoi il parle. Essaye de hurler le nom de l'élu de ton cœur avant un combat. C'est la clé. Ça m'a beaucoup... Qu'est-ce que c'est que ce cliché ? Ça marche pas, tu devrais peut-être essayer d'immobiliser ton ennemi. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Ça me parle de technique ou je ne sais quoi. Arrête de me parler. J'aimerais bien avancer. En tout cas, le background est toujours aussi magnifique. C'est que ça, c'est juste une fleur. Le background est toujours aussi magnifique, la musique aussi. Oh, attention des combats. D'accord, donc carré pour frapper. Ça m'a l'air vachement bourrin. À moi. Des sacs, je ne sais pas ce que j'obtiens. Alors, butin, peau de bête et plume claire, d'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de l'XP, c'est de l'XP, d'accord. Vous ne savez point, messire. Oh, je me suis fait taper par un lapin. Il faut taper ce lapin, là. Un petit bonbon pour faire plaisir. Je ne sais pas ce que c'est, du butin, peau de bête, merci. On n'a pas reçu d'XP, ou pidou. Putain, toi tu m'as l'air dangereux. Ah d'accord, je commence à comprendre le gameplay. Oupidou. Alors, bouton croix, ça c'est pour faire des combos. Bouton carré, c'est pour faire un gros coup. D'accord. Longue graine, peau de bête. Toujours pas d'XP de gagner. OMG, what the fuck. C'est à cause de ces gens-là que t'arrives pas à vendre. Oh ! Mon Yurik ! C'est mon petit Yurik ! Alors, il ne s'appelle pas Yurik, hein, mais c'est comme ça que je l'avais appelé dans Secret of Mana. Oh ! Yurik ! Je crois que c'est, voilà, c'est pour sauvegarder. Bah écoutez, on va sauvegarder. La musique a l'air, encore une fois, excellente. Franchement, je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé par tout ça. Plus de gros lapin. Toi ! Qui es-tu ? Bonjour. Oh, tu es poli. Tu me plais, gamin. Je suis Daina. Je viens de Gâteau. Oui, enchanté. Êtes-vous venu pour voir l'un des sept sages ? Oula, le lapin qui s'énerve. Quelles belles oreilles. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes faits pour être ensemble, mais ferme-la ! C'était pas à vous que je parlais. Oh, le coq bloc. Ferme-la, gamin. Déjà, où se situe Gâteau? Il y a des grottes de Gâteau. Il y a un ancien temple là-bas qui est très connu. Eh, mais c'est... Continue, as-tu quelque chose à me demander? Oui. Qui sont les sages? On l'appelle Gaius, l'esprit de la terre. Il devrait être par ici. Mais je sens que je ne devrais pas lui demander la... Je ne devrais pas lui demander la vérité. D'accord, ce que tu dis n'a aucun sens. Et sinon, je suis venu pour voir les sages. Je suis effrayé à l'idée de le voir. D'accord.
J'ai peur que la vérité ne me fasse encore plus souffrir. Oh. Miaou. Non, je veux rien te demander, tu es devant le coffre. Tu es devant le coffre et le coffre est ma convoitise, arrête de me parler. Va-t'en. Mais, va-t'en. Le coffre, là, merci. Vous avez récupéré un épi de blé. Quoi ça sert? Je ne sais pas. Essayez d'aller par en haut. La grande fissure. Oh, ennemi! Il va crever, saloperie. Voilà, un en moins. De l'XP, coup de pied éclair. Oh, les petits nounours! Les petits nounours épéistes! Enfin, pas épéiste, archer. Putain. Ce qui n'a rien à voir. Technique spéciale a été apprise. Cut Auric Bambou. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit peu d'XP. Nouvelle technique a été apprise. On peut regarder les... Ouais, les techniques, là. Alors. Oh, capacité saut, défense. Technique spéciale. Apparemment, c'est de la magie. Coupe bambou, je crois que c'était ça. Hein. Bah, écoute, on va essayer avec ça. Magie, je n'en ai pas. Ah bah, on va faire ça. Eh non, quel con. Pélater, voilà. On va essayer ça au prochain combat. Ça va, Lapinou? T'es tranquille? Là. Est-ce que sauter sert réellement à quelque chose? Putain, je le foire complètement. La perspective est assez bizarre. Esquive. Là. Un petit peu de butin. Merci bien. On gagne pas beaucoup de... d'XP. Hein. Ça parle, ça parle. Ah bah c'est un Seiken, hein, Dio. Hein. C'est clair que c'est pas la montagne du fun, mais c'est comme ça. Ah putain. Foiré. Il va crever. Ah, et un au moins. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Coupe bambou. Oh, pas mal. Pas mal, mais apparemment pas très... Alors, on n'a rien vu à cause de la... On n'a rien vu à cause de l'arbre à côté. Oh, un peu de butin. Bon, ce que je vois, c'est qu'on gagne pas de l'expérience avec beaucoup, de mobs. Hein. Apparemment l'XP, le scrolling a l'air un tout petit peu à la ramasse. À certains moments j'ai l'impression. Au plateau Laurent. La musique a changé pour une raison que j'ignore. Bonjour messieurs. À boule d'oseille. Pognon, 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 pognon. Mine, 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 mine. Des clous, salopard. Ces gars-là sont obnubilés par l'argent. Pourquoi j'ai mon bonbon qui a disparu? Venez faire sa fête à Spinou. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, sel! Mon dieu! Ouh, putain. C'est quoi, je suis empoisonné? Apparemment, je suis empoisonné. Oh putain, putain, il est bizarre ce système de combat. Apparemment, j'ai très peu de vie. Ah, faut le frapper là. Hein? La musique est excellente en tout cas. Enfin, on a des combats. Putain, il est encore étourdi. Allez, mon grand, bourrine. Putain, le lapin, il est motivé. Hein. J'aime bien ce lapin. Il va frapper. Ah fuck, ça ne protège rien du tout. Encore, tu ne frapperas pas. Il est mort. Ouh, impeccable. Eh ben ça c'est fait. Un petit coffre. De l'XP, du pognon. Merci. J'ai gagné deux niveaux, tiens, dis donc. Capacité a été apprise. Counter-attack.
comment ça se fait que ce truc n'a pas été traduit? Ça s'appelle une contre-attaque, messieurs. Enfin bon. Et la musique du calme. Merci. Putain, il était mort, hein. Fantastique. Je sais. Je savais que tu pouvais le faire. C'est mignon. Ah, du coup, c'est la fin de la quête. T'es quelqu'un, toi? Oui, je suis une personne. Oui. À l'inverse des germignons, j'ai une âme. Je vais te rendre riche comme Crésus. Juste un moment. Un pot en fer. Qu'est-ce que c'est que... J'ai l'impression d'être dans le donjon de Nalbuck, là. Ils vous ont refilé toute leur merde. Ça coûte normalement 3000 lucres. Je l'ai fait pour seulement 300. Mais va te faire enculer. Mais évite tes poches. Mais non, va te faire foutre. C'est une offre spéciale que je ne ferai qu'une fois. Vous récupérez bouquet chloroboulette. Qu'est-ce que c'est que ça? Insectaco pour en faire. Prends ça aussi. Relique flamme. D'accord. Bon, bah apparemment j'ai récupéré tout son pognon pour rien. Pourquoi tu fronces les sourcils comme ça? C'est de la merde que tu m'as donné. Moi je voulais une épée, une armure, je sais pas, quelque chose. Au final, tu t'es allé voir la poubelle qui est là-bas, t'as fait le fond et tu m'as dit tiens, cadeau. C'est franchement, voilà quoi. Je veux rendre mes clients heureux en les extorquant, espèce d'enfoiré. J'aime la vie, mais bien sûr. Bon, et ben à plus, petit lapin. Souris. J'aimerais tellement lui... C'est le mec qui te dit souris, toi t'arrives, tu fous une grosse tarte. Ta gueule. Les combines de Nicolo. Fin. D'accord, donc c'est une petite quête, ça. Ça, c'était une petite quête. C'est cool. Oh, c'était sympathique. C'était sympathique et je possède deux reliques. Donc, médaillon déjà. On va le foutre là. Qu'est-ce que ça va me débloquer ça? Bonjour. La jungle. Ça n'a quand même aucun sens, hein. Le médaillon qui te déverrouille la jungle, le Rubicube qui te déverrouille une ville, c'est quand même assez bizarre. Les flammes. Alors si les flammes, tu me dis que ça va me déverrouiller un port, franchement, je te pète la gueule. Les flammes, quoi. Un gros grou. Et c'est... Les grottes de gâteau. Ah! Les fameuses grottes. Les fameuses grottes que l'autre disait. D'accord. Plus tu mets tes reliques loin de ta maison, plus les monstres seront forts. Oui, ça c'est un truc que je me souviens de dans la vidéo du Hooper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Domina, on va sauvegarder. Et puis, bah, on va mettre fin tout simplement à cette première session. Donc, en gros, on va mettre fin à l'épisode YouTube de Random Games. Voilà. Je vais couper le live une demi-seconde et après on reprendra. Si jamais vous avez envie qu'on change de jeu, vous aurez qu'à me le faire dire. Pour ceux qui sont sur YouTube, bah écoutez, tant pis pour vous. Hein, vous aurez qu'à la prochaine fois, vous viendrez sur le live et vous verrez un petit peu plus de choses. Mais en tout cas, je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.